Avertissement. L'équipe d'Infoman fut très triste cette semaine d'apprendre le décès de Bernard Landry, un grand monsieur avec qui j'ai toujours eu beaucoup de plaisir. Ses joutes oratoires à l'Assemblée nationale n'étaient jamais plates et c'était un secret pour personne qu'il était de loin le plus érudit. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette toute nouvelle émission d'Infoman qui débute alors que plein de visites et plein d'événements politiques ont eu lieu cette semaine. Il y a même Andrew Scheer qui est venu nous visiter au Québec. Andrew Scheer, hein? Je le sais, vous capotez, hein? Moi aussi. Le gouvernement caquiste de François Legault donne l'impression de rien faire, mais oh non, ça travaille fort dans les officines. Ah oui, en terminant, petit conseil pour le chef de l'opposition de la Ville de Montréal. Quand vous faites un lapsus comme ça sur l'administration Plante, désolé, on peut rien faire pour vous. Ça va devenir viral. Cette semaine, je dois me confesser, ça m'était jamais arrivé, presque jamais, mais je me suis passionné pour la politique du Nouveau-Brunswick. J'ai appelé ça « Suspense au newbie ». Nous avons tous suivi les élections de mi-mandat aux États-Unis cette semaine et vous serez heureux d'apprendre qu'il y a plusieurs de nos clowns qu'on vous avait présentés la semaine passée qui ont été élus. Ils viendront certainement enrichir le débat démocratique américain à coups de gun. Avec tout ce qui s'est passé, on a négligé nos conseils municipaux dernièrement. C'est l'heure de nous rattraper. Débutons par Châteauguay, où le maire va prendre de l'eau pendant que les citoyens posent des questions. De Trois-Rivières, Yves Lévesque est un grand vulgarisateur. Parlant de Trois-Rivières, parfois la nature appelle le maire. When you gotta go, you gotta go. Dans la ville de Saint-Lazare, Mme Gauthier veut qu'on teste les élus pour la drogue. À Gatineau, on parle de graines au conseil de ville. À Sherbrooke, dans les conseils municipaux, c'est place à la magie. À Verdun, il y a une citoyenne qui demande au maire comment destituer le maire. Et terminons par Rivière-du-Loup, où il y a un citoyen qui n'est pas de Rivière-du-Loup, mais qui s'intéresse beaucoup, 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 beaucoup au conseil de Rivière-du-Loup. Un manque de passe-temps, certainement.